Ce lundi 13 février 2023, M. Pokora a posté une adorable vidéo de son fils qui a fait fondre ses abonnés. On y voit Isaiah, âgé de 3 ans, danser en rythme aux côtés de son papa, sur une vidéo de Michael Jackson. Une future star? Depuis 5 ans, M. Pokora file le parfait amour avec Christina Milian. Les deux artistes ont vécu un véritable coup de foudre à Saint-Tropez. Je suis allé la saluer et ça a été fulgurant, avait expliqué le chanteur en 24 novembre 2022 dans Ciné Télé Revue. Inséparable depuis, le couple partage sa vie entre la France et les États-Unis. Déjà maman avant de le rencontrer, Christina Milian a de son union avec M. Pokora deux beaux garçons, Isaiah, né le 20 janvier 2020 et Kenna le 24 avril 2021. L'ex-membre du groupe Link Up, issu de l'émission Popstar, a accueilli avec joie ses petits garçons, et son job de père, devenant un véritable papa poule, si estime-moi le papa au foyer, et j'adore ça. Si est-il le meilleur job du monde. Là, je n'ai qu'une envie, si est-il de finir ce que j'ai à faire pour rentrer à la maison et passer du temps avec eux, a-t-il déclaré le 10 novembre 2022, dans Télématin. La semaine dernière, il postait une vidéo de son deuxième fils, Kenna, dansant devant des images de son papa à la télévision. À croquer. Une prédisposition au show? Cette fois, si est-il son premier fils, Isaiah, qui révèle au monde ses talents de danseur. Dans une story du compte Instagram de Christina Milian, ce lundi 13 février 2023, le petit garçon est apparu aux côtés de son père, lors d'une danse sur le tube de Michael Jackson, Thriller. Jusqu'ici, Thriller est la préférée de Isaiah, a écrit sa mère. La chorégraphie suivie par les deux garçons a été entièrement filmée par la fière maman. En claquette chaussette, le chanteur français accompagne son jeune fils dans une danse timide mais adorable. Tout semble donc se dérouler pour le mieux à Los Angeles, et peut-être même qu'Isaiah s'entraîne pour de futures prestations. Le chanteur a ajouté à la suite le programme de sa tournée en France, qui débutera le 10 juin 2023 à Paris La Défense Arena. On a hâte de voir ça.